Yeah. Il y a quelque chose de louche. Et je vais le découvrir. Je vais le découvrir tout de suite, idiot. Tu as transféré tout l'argent sur ton compte à Panama, sale traître. Tu pensais me laisser sans ma part. Tu n'es qu'un sale traître, Léon, tu m'entends? Ne me parle pas de trahison! Ne me parle pas de trahison! D'autant plus que j'ai appris que tu as tué mon fils! Léon, bon sang, mais de quoi est-ce que tu parles? Je dis que s'il y a quelqu'un qui a rompu l'accord qu'on avait passé tout au début, c'est toi-même, espèce d'imbécile! Maintenant tout doux, Carmelo. Pose ton flingue sur la table. Léon, rends-moi mon... Je t'ai dit de poser ton flingue sur la table. Je t'ai dit de me rendre mon fric, Léon. Et on sera quittes tous les deux. Tu ferais mieux de fixer le camp d'ici. Hein? Et de considérer mon geste comme une compensation en échange de la vie de Cachorro. Plus un geste! Bougez plus! Espèce de traître! On a fini par se retrouver, Léon. Qu'est-ce que... Tu sais bien que ce coup de poing, tu le méritais depuis très, très longtemps. Et figure-toi que j'ai pensé... Je n'aurais jamais pu te le donner, mais on dirait bien que finalement, la vie sait être juste. Tu es poursuivi par les flics, diable. La justice te recherche, personne ne croira tes histoires. Pauvre idiot. Tu crois ça? Mike? Je te le laisse. Léon Beltrame, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre d'un officier de police. Ainsi que pour association de malfaiteurs, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Si vous n'avez pas de quoi vous payer un avocat, l'État vous en désignera un d'office. Il faut m'envoyer des renforts au bar de la taverne. J'ai arrêté un suspect, il y a un policier blessé.